Bene, buongiorno a tutti e ci rivolgiamo anche a chi ci sta seguendo a distanza in streaming. Cari ticinesi, vi diamo il benvenuto a questa conferenza stampa in diretta streaming organizzata dal Consiglio di Stato in occasione della visita in Ticino del consigliere federale Alain Berset, capo del Dipartimento federale dell'Interno. I nostri relatori per oggi sono il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, il consigliere federale Alain Berset e il sindaco della città di Lugano Marco Borradori, al quale passo subito la parola per un saluto introduttivo. Grazie mille, buongiorno a tutti. Un saluto di benvenuto al consigliere federale Alain Berset, al presidente del governo Norman Gobbi, a tutto il Consiglio di Stato e alla delegazione giunta da Berna. Da Berna e da Bellinzona. Avervi qui è un segno tangibile della vicinanza della Confederazione e del Cantone alla nostra popolazione. Lugano ha accompagnato la cittadinanza con interventi sul piano economico e su quello sociale, ma c'è un fattore imprevedibile che ci ha travolti positivamente. Abbiamo registrato un'ondata di solidarietà così potente, così articolata e intelligente da parte di singoli individui, famiglie, vicini di casa, associazioni, da dimostrarci quanto la nostra società civile sia coesa, forte e autonoma nel rispondere alle difficoltà. Abbiamo trovato nella nostra cittadinanza un partner attivo e affidabile, tanto che la solidarietà tra il comune e la popolazione è stata reciproca. Permettetemi di dire che questo è un fatto che mi rende molto fiero di essere sindaco. Ciò non significa che non ci siano state situazioni di precarietà e che oggi abbiamo settori economici, culturali e sportivi che stanno soffrendo moltissimo e stanno lottando per il proprio futuro. È nostra preoccupazione che tutti insieme continuiamo a investire le nostre energie dove c'è bisogno e che nessuno si sente escluso o abbandonato. In questa seconda ondata leggiamo a volte stanchezza, a volte ribellione, a volte indifferenza, altre volte amarezza. Ci sono atteggiamenti che preoccupano, ma vedo che tanti nostri cittadini, direi la maggioranza, sono consapevoli del fatto che il loro apporto fa realmente la differenza. Lei, signor consigliere federale, è sceso in Ticino più volte per assicurarci il sostegno della Confederazione nella lotta contro l'epidemia e questo ci conforta. Lo apprezziamo tanto. Lugano ha certo bisogno del sostegno finanziario della Confederazione e del Cantone. Abbiamo bisogno di procedure rapide e sburocratizzate per ottenere gli aiuti all'economia, alla cultura, allo sport. Vogliamo cooperare per contenere la diffusione del virus. Ma perché tutto questo possa dare frutto e sfociare in una società più consapevole, abbiamo anche necessità di una vicinanza vera e di una presenza viva che ci permetta di identificarci e sentirci parte di un solo paese. Credo che questo sia l'aspetto importante, identificarci e sentirci parte di qualcosa di più grande di noi, del paese, della nostra confederazione. Concludo dicendo che come membro dell'Unione delle Città Svizzere desidero dire che Lugano, che in questo momento è un pochino meno toccata di altre città, è vicina ai centri urbani della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda che stanno vivendo giorni certo non facili. Nonostante le difficoltà, a Lugano abbiamo visto la tenacia di una società che si adatta, si trasforma, si ricrea e continua a sperare fino all'ultimo. Credo che compito di tutti noi, Berna, Bellinzona e Lugano, sia quello di non mettere in ginocchio nessuno, consentendoci di rialzarci il più presto possibile. Grazie mille della sua visita, signor consigliere federale. Grazie, signor sindaco. La parola ora passa al Presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi. Buongiorno a tutti e grazie mille, signor consigliere federale Alain Berset. Il Canton Ticino è l'unico cantone che lei ha visitato per ben due volte durante questa gestione della crisi Covid e dimostra come la sua personalità pacata, ma anche pronta a dibattere, confrontarsi e soprattutto informare, ha permesso non solo alla nostra popolazione ticinese, ma a tutta la popolazione svizzera di affrontare con maggior tranquillità una crisi sanitaria che evidentemente ci destabilizza. La prima volta era nel marzo di quest'anno, del 2020, quando regnava da noi in Ticino una grande incertezza, vista la situazione straordinaria per il nostro cantone, ma anche per la vicina Lombardia, che in quel momento era l'hotspot o il punto più caldo di tutto il continente europeo nell'ambito del coronavirus.
Durante la prima ondata non ci siamo fatti travolgere da questa ondata, grazie in particolar modo alle varie misure prese. I scenari peggiori non si sono manifestati, grazie all'impegno di una comunità, la nostra, il dialogo con le istituzioni e con la popolazione e anche soluzioni pragmatiche. E questa sostanzialmente anche la forza della Svizzera, del nostro paese. Il dialogo, il confronto, la valutazione e le decisioni prese in uno spirito federalista in cui il gioco di squadra è necessario e anzi indispensabile. Lo ha dimostrato proprio anche la nostra esperienza di cantone all'avanguardia purtroppo nell'affrontare questa crisi a livello nazionale, proprio perché al mese di marzo eravamo gli unici a essere toccati in maniera così pesante. Siamo però riusciti a far passare il messaggio oltre i muri culturali e anche fisici che ci dividono dal resto della Confederazione. Abbiamo stimolato e messo a disposizione le nostre esperienze a favore anche dell'autorità federale. Autorità federale che, qui rappresentata dal consigliere federale Alain Berset, ha più volte dimostrato sostegno al nostro cantone e alla nostra popolazione. In particolar modo poi, dopo aver preso le misure dello stato di straordinarietà, quindi con una situazione straordinaria per il nostro Paese di una crisi, riconoscendo le finestre di crisi alla nostra realtà cantonale dal punto di vista economico, ma anche di sostegno per la nostra popolazione dal punto di vista economico e sociale. E lo ha fatto più volte, e questo dimostra come quando il dialogo, il confronto e lo spirito di squadra ci sono, beh, tutto può funzionare decisamente meglio. Si è trattato quindi ancora una volta della dimostrazione di come il vero patrimonio inestimabile di questo Paese sia il federalismo. Nonostante in quel momento ci fosse una forte centralizzazione delle decisioni e del potere a livello federale, proprio perché la situazione straordinaria ha dato grandi poteri al Consiglio federale, così come lo stato di necessità cantonale ha dato poteri al governo cantonale, ma che evidentemente sono limitati sull'azione. I governi cantonali, non solo il Canton Ticino, non sono però rimasti fermi e inermi, proprio perché nel gioco di squadra c'è il Consiglio federale che è una situazione straordinaria dispone, ma poi ci sono i cantoni che devono portare la responsabilità sul territorio e soprattutto declinarlo secondo i vari bisogni, e le finestre di crisi sono stata sicuramente la miglior dimostrazione di come il governo cantonale abbia preso a carico il benessere e la protezione della nostra popolazione ticinese. E proprio nello spirito federalista anche i comuni e le città del nostro Paese si sono dimostrati reattivi, avendo coordinato diverse misure dal punto di vista del sostegno ai commerci, piuttosto che sostegno alla popolazione anziana con i preziosissimi servizi di consegna a domicilio della spesa e di servizi di supporto. Il Ticino, come nella scorsa primavera, segue con grande attenzione gli sviluppi della pandemia al proprio interno, ma anche con un occhio rivolto al resto della Confederazione e l'altro rivolto comunque anche a sud, ai territori a noi confinanti, in particolar modo le regioni Lombardia e Piemonte. È infatti innegabile che se il nostro cantone, libero e svizzero dal 1803, ha una necessità di confrontarsi con la Confederazione e gli altri cantoni, deve però anche saper dialogare e confrontarsi oltre la frontiera di Stato. Durante la prima ondata abbiamo potuto riconoscere in taluni la mancata comprensione per le misure rigorose di chiusura attivate sul territorio cantonale ticinese. Però i risultati ottenuti, quello di aver stoppato l'ondata indirettamente e anche aver preservato il resto della Confederazione con le misure poi adottate dal Consiglio federale, ha permesso di comprendere il valore della nostra azione di governo ticinese, ma anche di tutta la comunità ticinese. Ora ci troviamo in una fase altrettanto delicata come quella di questa primavera. Attorno a noi, soprattutto in Italia, Francia e Austria, vengono adottate misure più restrittive di quelle applicate nella Confederazione Elvetica. In questa seconda ondata i cantoni romandi, i nostri cugini romandi, sono i più colpiti, con maggiori restrizioni poi applicate dai singoli consigli di Stato dei cantoni romandi. Il governo ticinese ha sempre tenuto alta l'attenzione e con noi la nostra popolazione,
Pensiamo anche durante l'estate alle varie misure comunque restrittive che non erano previste in nessun altro cantone dal punto di vista, per esempio, del personale della ristorazione piuttosto che di un'informazione costante proprio volta a contenere la diffusione del virus. In una situazione frammentata, in primavera noi in maniera principale con alcuni cantoni romandi e ora soprattutto la Romandia, parzialmente il Ticino e altri cantoni, l'obiettivo è quello di evitare un corona graben che alcuni commentatori politici vogliono riconoscere, proprio ancora lavorando attraverso il dialogo e il confronto in un sistema federale che deve funzionare e che funziona, come ha dimostrato la decisione di ieri da parte del Consiglio federale di dar seguito alle richieste dei cantoni, rafforzando da un lato le risposte a sostegno delle micro e piccole imprese di questo territorio, quello svizzero ma anche ticinese, rispondendo anche alle richieste su punti molto, diciamo così, minori rispetto alla necessità di carattere economico-sociale, per esempio quello di poter applicare le misure, diciamo così, coercitive se necessario, ma dimostra come il Consiglio federale sia in grado di ascoltare le richieste dei cantoni e i cantoni in grado di lavorare assieme dal punto di vista dei direttori della sanità per coordinare le misure, dal punto di vista dei direttori dell'economia pubblica per coinvolgere il Consiglio federale sulle misure da attuare, rispettivamente di giustizia e polizia per richiamare l'attenzione su quanto poi dobbiamo andare a svolgere sul territorio. I risultati dopo queste prime settimane di misure più restrittive si vedono, ed è l'aspetto positivo. I nuovi casi sono in diminuzione, oggi sono diminuite anche le persone ospedalizzate. Purtroppo oggi però dobbiamo registrare un numero elevato di decessi. Va quindi la nostra vicinanza e il nostro affetto a tutte le persone toccate durante la prima e durante la seconda, ma durante tutto il periodo di questo coronavirus, toccate da decessi in famiglia. Va la nostra vicinanza del governo, ma di tutta la nostra comunità che si è sempre sentita solidale e soprattutto vicina alle persone maggiormente toccate. Ringrazio ancora lei, consigliere federale, per la sua discesa a sud delle Alpi, la seconda, ma soprattutto per aver sempre voluto mantenere questo dialogo con i cantoni attraverso in particolar modo la conferenza dei direttori e delle direttrici della sanità pubblica, rispettivamente poi anche con gli incontri regolari con le altre conferenze. Ringrazio però anche tutta la nostra cittadinanza, cittadine e cittadini responsabili e coscienziosi e anche le autorità comunali per il loro impegno in questa lotta. Grazie. Grazie Presidente. La parola ora va al consigliere federale Alain Berset. Egregio signor Presidente del Consiglio di Stato, egregi consiglieri di Stato, egregio signor Sindaco della città di Lugano, gentili signore e signori. Vi ringrazio dell'interessante visita di stamattina alla clinica Moncuco e all'ospedale italiano. Dopo quella del 19 marzo a Berinzona, questa è la mia seconda visita sul campo Ticino. Nel frattempo ho avuto occasione di trascorrere anche momenti più distesi in Ticino, a Berinzona e a Lugano per il primo agosto e anche a Entragna per qualche giorno di vacanza in famiglia. Et donc, Monsieur le Président du Conseil d'État, j'aimerais vous remercier pour cet accueil, vous remercier aussi pour la collaboration que nous avons depuis le début de cette pandémie, une collaboration qui va bien au-delà de la pandémie, on a l'habitude de travailler ensemble, mais vous l'avez rappelé dans votre intervention, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte aussi de la force réelle du fédéralisme pour faire face à des situations inattendues ou très, très compliquées. Et j'ai eu l'occasion, depuis le début de l'année, de travailler avec votre prédécesseur à la présidence, M. Vita, avec vous maintenant, évidemment toujours avec M. Desrosa, très très engagé sur la lutte contre la pandémie, et j'ai pu sentir à quel point cette continuité gouvernementale et cette cohésion gouvernementale est extrêmement importante pour répondre à de tels défis. Je parlais du mois d'août et des vacances que j'ai pu passer chez vous encore au début du mois d'août. Et je me souviens qu'au mois d'août, on parlait de la première vague qu'on avait réussi à maîtriser assez bien. C'était encore cette discussion-là. On se préparait ensemble, entre canton et confédération, à faire face à ce qu'on attendait plus difficile l'automne. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, dans la deuxième partie du mois de novembre 2020. Eh bien, la situation
n'est plus la même que cet été, c'est plus le même optimisme, c'est une situation qui reste très sérieuse. Nous voyons le niveau d'infection et des hospitalisations se stabiliser sur le plan suisse, mais à des niveaux très élevés. Et nous voyons également la situation dans les cantons qui ont été les plus touchés. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'était au printemps clairement le Tessin, avec la proximité de l'Italie et de la situation très tendue dans le nord de l'Italie. C'est dans cette deuxième vague plutôt la Suisse romande qui est fortement touchée, même si toute la Suisse est aujourd'hui beaucoup plus touchée qu'elle ne l'était au printemps. Et nous savons que l'hiver arrive. Nous nous attendions à ce que ce soit une phase qui soit plus difficile et plus délicate. Nous voyons que les soins intensifs sont toujours sous pression et que le système de santé est toujours sous pression. Il y a aussi des bonnes nouvelles, évidemment. Une des bonnes nouvelles, c'est de voir que les transferts de patients entre hôpitaux fonctionnent. Nous avons vraiment aujourd'hui le sentiment d'avoir un système hospitalier sur le plan suisse qui collabore bien, dans lequel les transferts sont possibles. Et puis, j'ai pu constater ce matin, une fois de plus, les très grands efforts entrepris par le Tessin pour augmenter les capacités sanitaires, pour garantir des soins de qualité pour tous et pour garantir une organisation, je dois vous le dire, qui m'a fortement impressionné. Probablement que cette organisation et ce très haut professionnalisme que l'on trouve est lié à l'immense engagement que vous avez eu avec les hôpitaux, avec le personnel de santé, pour organiser tout le système. C'est probablement aussi une des conséquences de la situation très tendue du printemps, d'avoir appris énormément de choses et d'avoir pu, dans le fond, tenir compte de ces apprentissages pour vraiment être aujourd'hui très bien positionné. Et j'ai eu une impression ce matin de très grande solidité et d'efficacité. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est aussi lié, bien sûr, à la cohésion que l'on sent au Tessin, à ses autorités, qui font vraiment équipe quand il s'agit de faire face à cette situation. Le traçage également, on en a peu parlé ce matin, mais qui restera et qui reste essentiel pour faire face à la suite de la pandémie. Si on compare ces deux vagues, évidemment, elles sont pas identiques. On a affaire au même virus, mais ça n'est pas la même situation. Alors que tout le matériel manquait au printemps, aujourd'hui, c'est plutôt un enjeu pour le personnel, d'avoir suffisamment de personnel pendant suffisamment de temps pour faire face à cette situation. Je me souviens aussi, au printemps, des contacts extrêmement étroits que nous avons eus. Ils ont été, je crois, très constructifs, parfois aussi très critiques à l'égard de Berne, mais c'est juste, c'est comme ça qu'on avance. Et je le dis, je le redis ici, vous connaissez mon avis à ce sujet, le Tessin a joué un rôle clair de pionnier dans la lutte contre le coronavirus, et ce, pour tout le pays. Vous avez été les premiers concernés, très fortement concernés, et il faut le dire ici encore une fois, nous avons énormément appris à échanger avec vous et à voir comment vous avez pu faire face à cette situation au printemps, et ce qui nous a donné aujourd'hui une bonne situation pour, avec ces apprentissages, pouvoir continuer à faire face à cette deuxième vague, avec des contacts dont je me souviens parfois extrêmement fréquents, jusqu'à plusieurs fois par heure, dans certains moments très, très critiques du printemps, et avec une disponibilité toujours de part et d'autre pour pouvoir, de manière très simple, très, très informelle, pouvoir chaque fois chercher ensemble les meilleures solutions possibles pour notre pays, pour nos cantons, et pour votre canton et pour le Tessin. Nous devons, pour les prochains mois, rester prudents. Nous savons que nous avons maintenant une phase délicate avec l'hiver, les températures, le fait de se retrouver plus à l'intérieur, mais aussi une certaine fatigue face à cette situation. Et nous devons rappeler à notre pays, rappeler à toutes et tous que nous avons dans les mains les réponses. Nous savons comment faire. Il faut garder la distance, faire attention à l'hygiène des mains. Ne pas s'embrasser, ne pas serrer la main, même si c'est difficile. Porter un masque lorsque la distance ne peut pas être respectée. Éviter les rassemblements de personnes. Vous avez pris des mesures dans ce sens aussi qui sont importantes. Et c'est une des grandes différences avec le printemps. Nous commençons à trouver que cette situation dure longtemps, et c'est vrai qu'elle est un peu pénible, mais elle est toujours là. Et nous allons vers l'hiver, qui sont des mois qui vont être plus difficiles. Les bonnes nouvelles aussi dans ce cadre-là, c'est qu'on n'est pas livré, on sait quoi faire, on a appris comment se comporter, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont très importants, et je vais vous parler des tests maintenant. Les tests sont très très importants pour garantir une bonne lutte contre la pandémie, et ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui vont se faire tester. Et ça donne un peu l'impression que peut-être toutes les personnes qui ont des symptômes ne vont pas se faire tester. C'est un appel à la population. Si vous avez des symptômes, allez vous faire tester.
Allez-vous faire tester pour ne pas infecter d'autres personnes? Allez-vous faire tester pour savoir si vous êtes positif ou pas? Et si vous êtes positif, ça vous permettra de ne pas infecter d'autres personnes, de protéger votre entourage, de protéger vos collègues de travail, de protéger votre famille. Et c'est pour ça qu'il faut se faire tester sans attendre aux moindres symptômes. Ces tests sont pris en charge pour les coûts, donc ce sera gratuit pour vous. Et je vous le dis, alors que nous constatons que le nombre de tests réalisés diminue. Il y a assez de tests pour tout le monde. N'hésitez pas, allez-y. C'est vraiment, je crois, au début de cet hiver, à la fin de ce mois de novembre, un message très fort qu'il faut passer. J'ai pu voir ce matin, d'ailleurs, aussi les tests qui sont réalisés dans les cliniques et dans les hôpitaux tessinois. Et il faut vraiment faire un effort ici, ne pas attendre. Ça nous permet d'avoir une vue globale sur la situation épidémiologique. Ça permet d'identifier les personnes malades et de protéger justement les autres. Dans ce cadre-là, j'aimerais aussi vous dire que un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup actuellement, ce sont les vaccins. Dire quelques mots sur les vaccins. Nous n'aurons pas à disposition de vaccins pour toute la population dans les prochains mois. On doit passer l'hiver sans avoir accès à un vaccin pour tout le monde. Ça, il faut être très clair à ce sujet. Le vaccin va nous aider, nous l'espérons. Mais d'abord, nous devons, pour les prochains mois, faire avec ce que nous savons faire. Distance, hygiène, le masque, éviter les rassemblements. Cela dit, pour les vaccins, les nouvelles sont réjouissantes, là aussi. Nous avons, très tôt durant cette année, au début du mois de mars, commencé à mettre en place une stratégie pour l'accès aux vaccins, pour acheter des vaccins. Et nous avons identifié les produits les plus prometteurs. Nous avons trouvé un bon chemin pour avoir des produits les plus prometteurs avec lesquels nous sommes en contact, et les entreprises nous sommes en contact. Les bonnes nouvelles, c'est que nous avons aujourd'hui 13 millions de doses qui sont réservées pour notre pays. Pourquoi 13 millions alors qu'il y a 8,5 millions de personnes dans notre pays? Parce que dans la plupart des cas, dans presque tous les cas, il faut deux doses pour faire un vaccin. Et nous avons donc une très bonne couverture qui se prépare avec les produits les plus efficaces que nous pensons pouvoir avoir sur le marché, avec le vaccin de Moderna qui donne des perspectives très très importantes et très intéressantes. Nous avons déjà réservé et acheté ces vaccins durant l'été, avec Pfizer BioNTech qui a également produit des résultats extrêmement intéressants, et avec AstraZeneca en particulier. Ce que je dois dire sur les vaccins, c'est que les procédures d'autorisation sont aujourd'hui en cours, les documents sont entrés auprès de Swissmedic, et ce qu'il faut dire ici, c'est que ces procédures sont exactement les mêmes que pour toute autorisation de nouveaux médicaments ou de nouveaux vaccins dans notre pays. Les procédures sont les mêmes. Il n'y a aucun compromis qui est réalisé, ni sur la qualité, ni sur la sécurité, ni sur l'efficacité. Et les vaccins que nous avons réservés ne seront autorisés que s'ils sont sûrs, de haute qualité et efficaces. C'est la moindre des choses que l'on attend d'un pays comme le nôtre et d'autorités de régulation, c'est d'avoir des procédures qui, justement, dans les périodes de crise, doivent être respectées. Et nous avons tout mis en place pour que ce soit le cas. Et ça nous donne la perspective, l'année prochaine, d'avoir accès, nous l'espérons, à des vaccins qui soient efficaces. Je ne dirai rien de plus que ce qui a été communiqué hier par le Conseil fédéral sur les mesures économiques. Vous en avez également parlé, Monsieur le Président du Conseil d'État. Je crois que c'est très important de rappeler, par contre, que Confédération et Canton sont là ensemble pour faire face à cette situation. Il n'y a pas d'indifférence entre nous. Il y a au contraire une très forte cohésion pour traverser cette situation le mieux possible pour notre pays. Et j'aimerais terminer encore une fois en vous remerciant pour cet accueil. Je suis très touché d'être reçu aujourd'hui ici à Lugano par le Conseil d'État incorporé. Ce qui est un signal que j'apprécie beaucoup et qui est un signal très fort que vous envoyez aussi à Berne de cohésion et de collaboration, et je me réjouis beaucoup dans des conditions qui ne sont pas faciles, hein, mais alors que nous nous connaissons bien, alors que nous avons des structures qui nous permettent de faire face, que nous soyons vraiment en mesure de travailler ensemble durant les prochains mois pour traverser cette situation le mieux possible. Merci beaucoup.
Merci, monsieur le conseiller fédéral. Inizia ora il momento delle domande. Vi invito come sempre a presentarvi con il vostro nome e il nome della vostra testata. Vi segnalo che al termine della conferenza stampa il consigliere federale non sarà a disposizione per interviste individuali e vi anticipo che la conferenza stampa finirà tassativamente alle 13 per permettere al consigliere federale di partire per altri impegni. Prego. Grazie, buongiorno a tutto il mondo. Buongiorno. Monsieur consigliere federale, je vais un peu à l'avance, je regarde à Noël. Ça vient de sortir de l'Office fédéral de la santé publique le rapport de la semaine 46. On voit les cas positifs diminuer de 23%. On voit les hospitalisations diminuer et cela généralisé dans tous les cantons. Alors, Noël, c'est important pour deux raisons. Pour le commerce, c'est le mois le plus important de toute l'année. Et l'autre côté, la famille, les liaisons, et là, c'est important pour le moral des gens. Alors, quel Noël vous pensez que le Tessin et la Suisse peuvent s'envisager? Merci. Merci pour cette question. Vous avez raison, c'est une phase, et je le disais tout à l'heure, qui est importante, qui arrive maintenant, et parmi, dans cette phase, il y a Noël. Vous savez, moi, j'ai constaté que cette année, eh bien, Pâques, et vous le savez ici mieux que personne au Tessin, c'était un peu différent d'un Pâques habituel. L'été et les vacances, c'était autrement que d'habitude. L'automne et les vacances d'automne, c'était pas comme chaque année. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que Noël ne sera pas un Noël normal comme on les connaît d'habitude. Ça, vraiment, il faut, je crois, intégrer cette réflexion, parce que la situation... elle est connue, nous avons un virus qui circule, nous avons une situation qui reste quand même très instable. Vous avez mentionné quelques bonnes nouvelles, nous avons une diminution d'une semaine à l'autre d'environ, c'est ce qu'on a prévu pour les semaines, environ 23% des cas qui diminuent, situation qui s'améliore, mais on est à un très haut niveau, on est encore aujourd'hui à un très très haut niveau. On a eu des cantons en Suisse il y a quelques semaines qui étaient les zones les plus touchées de tout le continent européen, alors que le continent européen est le continent le plus touché de la planète. On a des cantons et des régions qui sont les plus touchés du continent le plus touché. Ça dit tout. Et donc, si on veut reprendre le contrôle, on ne doit pas simplement se contenter d'une diminution de quelques pourcents, on doit vraiment plusieurs fois diviser par deux le nombre de nouvelles infections, de manière à éviter toute surcharge et problème pour les hôpitaux et le système de santé. Donc il faut maintenant poursuivre le travail. La question qui se pose, c'est dans quelles conditions est-ce qu'on peut continuer? Alors ça, il faudra voir évidemment comment les choses, si ça se confirme. La Confédération a posé un paquet de bases dans lequel les magasins ne sont pas automatiquement fermés, dans lequel les restaurants ne sont pas automatiquement fermés, mais il y a des restrictions. Par exemple, toute consommation, c'est assis, pas de consommation debout. Par exemple, on ferme le soir à une certaine heure, ce n'est pas ouvert toute la nuit. Par exemple, on ne peut pas être plus que 4 par table. Ces restrictions, elles sont importantes, on va naturellement toujours en rediscuter, elles ne sont pas là pour ennuyer les gens, elles sont là pour nous permettre d'avoir une situation qui reste sous contrôle. Alors maintenant, pour Noël, je crois que Noël, écoutez, ce sera un peu différent des autres années, mais on doit pouvoir fêter Noël, évidemment. Et moi, je me pose aussi la question pour moi, comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'il faut... faire quelque chose d'un peu différent d'habitude, un peu moins de monde, dans un cadre un petit peu différent. Il faut être un peu innovant. Et nous allons aussi certainement, aussi sur le plan fédéral, réfléchir en matière de communication à quelles sont les informations qu'on peut donner pour que les gens puissent mener leur réflexion sur comment s'organiser. Ce qui m'inquiète le plus, je dois vous dire, ce n'est pas Noël, parce que moi, je ne connais personne qui fête Noël à 50 en dansant jusqu'à 5 heures du matin. Ce qui m'inquiète un tout petit peu plus, c'est le nouvel an. Pour tout vous dire. Et là, alors là aussi, le nouvel an, il sera différent de d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, on a l'obligation de consommer assis, les clubs, les discothèques sont fermés, et les fêtes ne sont pas possibles comme c'est le cas dans une année normale. Je crois qu'il faut accepter cela. C'est une année qui est différente, elle est complètement différente à plein d'égards, et nous devons essayer de trouver un chemin qui nous amène à l'année prochaine de manière aussi stable que c'est possible. Ce serait dommage, pour tout dire, de mettre en cause tous les efforts qui ont été réalisés maintenant, parce qu'on ne ferait pas attention durant cette phase-là. Merci, monsieur le conseiller fédéral. Prossima domanda. Bonjour, c'est Amanda Pfendler de RSI. J'ai deux questions pour vous. La première est un peu liée à celle
à laquelle vous allez, vous venez de répondre. Comment pensez-vous répondre à cette résistance qui augmente toujours plus aux mesures? Vous avez dit qu'il faut continuer à respecter les mesures, mais les gens commencent à être un peu fatigués. Comment pensez-vous de répondre? Et puis la deuxième question, que pouvez-vous dire par rapport au coût des hôpitaux? Est-ce que Berne va aider les cantons à couvrir les coûts liés à la gestion du Covid? Merci pour la première question. Je crois que il faut un lien fort entre les mesures et puis qu'elles soient acceptées. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on a toujours expliqué, encore expliqué pourquoi ces mesures sont importantes. Bien sûr, on peut avoir des mesures, dire oui, mais celle-là, elle n'est pas tellement efficace. On essaye d'apprendre, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On sait qu'aujourd'hui, on s'infecte beaucoup dans le cadre privé. Donc les fêtes privées, ou les fêtes, plus vraiment, mais enfin des réunions privées. C'est la raison pour laquelle ça a été fortement réduit. Et je crois qu'il faut dire ici clairement, pour les mois qui arrivent, les mesures de base, que sont la distance, l'hygiène des mains, ne pas se serrer la main par exemple aussi, et le port du masque dans les lieux fermés, ça va être des mesures qui vont rester. Celles-là, elles vont rester. Et c'est un moindre mal si ça nous permet de trouver un chemin qui nous permette de vivre un tant soit peu normalement. Avec, dans le fond, la possibilité de travailler, de vivre, les écoles sont ouvertes. La question est de savoir ensuite où est-ce qu'on peut aller au magasin, est-ce que les restaurants sont ouverts ou pas. Il y a des cantons qui ont vraiment fermé les magasins et les restaurants, d'autres seulement les restaurants, ils vont peut-être les réouvrir. Il faut trouver un chemin dans lequel on maîtrise la situation, mais il faut pour ça que les mesures soient acceptées, et c'est pour ça qu'elles doivent être ciblées et adaptées à la situation réelle. Je crois que le pire, ce serait qu'on perde le contrôle complètement de la situation, que le système de santé explose, et alors là, il n'y a plus personne qui dira « on fait comme s'il ne se passait rien ». Là, ensuite, tout s'arrête. Et c'est ça qu'on essaie d'éviter. On essaie d'éviter que tout s'arrête, mais pour ça, il faut trouver un chemin qui soit un peu stable. Sur les coûts, la situation est toujours la même. Le Conseil fédéral a clairement indiqué qu'il était prêt à entrer en matière sur tous les coûts supplémentaires liés au corona et à la gestion de la crise du coronavirus. Que par contre, il n'était pas prêt à entrer en matière sur tout ce qui était les diminutions de recettes liées au fait de devoir repousser à plus tard les opérations non urgentes. Parce que là, nous partons de l'idée que ces opérations non urgentes, elles sont réalisées plus tard, et que donc, ça se compense. Et si vraiment elles ne sont pas réalisées plus tard, c'est que peut-être elles n'étaient pas vraiment nécessaires, et là, on ne peut pas attendre sur le Conseil fédéral pour prendre en charge ces coûts-là. Merci, monsieur le conseiller fédéral. Prossima domanda. Bonjour, Caroline Roth, Téléticino. Hier, en Italie, mais aussi dans d'autres pays européens, les téléjournaux parlaient du fait qu'en Suisse, les places en thérapie intensive sont terminées. Nous, on connaît bien la situation au Tessin. Ici, ce n'est pas comme ça. Quelle est la situation dans le reste du pays? Et est-ce que le Tessin a déjà accueilli des patients d'autres cantons? Merci. Pour la deuxième question, ça c'est une question à laquelle le Tessin peut répondre. Je pense que c'est M. Desrosa qui pourrait répondre à cette question. Moi, je ne suis pas en mesure de répondre. Et pour la première question, écoutez, ça dépend de quel lit on parle. C'est toujours la même question. Mais là, ce serait peut-être M. Matisse aussi qui pourrait donner des informations sur les IPS-stations, hein, sur les lits de soins intensifs. Il y a des lits certifiés par la Société de médecine de soins intensifs. Et puis, il y a d'autres lits qui ont la même qualité qui ne sont pas automatiquement certifiés. Ce que je comprends, moi, de la situation aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où, oui, il y a beaucoup de monde à l'hôpital avec le Covid, oui, il y a beaucoup de monde dans les stations de soins intensifs, donc la situation, elle est sérieuse, mais on n'a pas atteint les limites et aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, d'impossibilité de traiter les patients ou de patients qui n'auraient pas accès à tous les soins qu'ils peuvent espérer dans notre système de santé. Cela dit, nous devons, pour cette raison, justement limiter les infections et que ça rediminue. Parce que nous savons qu'entre le moment où les infections arrivent, on n'en a qu'une partie que l'on reconnaît avec les tests, et le moment où les gens arrivent à l'hôpital ou aux soins intensifs, il y a un délai qui se passe. Voilà, mais je pense que ce seraient des questions qui s'adresseraient partiellement, en tout cas, à M. Desrosa et à M. Matisse, plutôt. Merci.
prossima domanda. Sì, prego, prego. Sì, grazie. Quello che posso dire è che il Canton Ticino ha sviluppato un protocollo proprio per collaborare meglio con la piattaforma nazionale, perché nelle scorse settimane era emersa questa necessità di collaborare meglio tra cantoni a livello nazionale, quindi abbiamo sviluppato un protocollo che permette anche di interfacciarsi meglio con la piattaforma nazionale del servizio sanitario coordinato, il quale ha delegato alla Rega il compito operativo di coordinare tra cantoni i posti di terapia intensiva, e quindi abbiamo sviluppato questo protocollo che permette di essere molto efficace ed efficiente e di interfacciarsi meglio a livello nazionale con gli altri cantoni. Ad oggi non ci sono pazienti che arrivano da altri cantoni, e questo è stato delegato appunto nell'ambito di questo protocollo a chi si occupa di gestire le terapie intensive di tutto il sistema, di tutto il dispositivo cantonale, quindi sia i posti presso la clinica Luganese Moncucco, sia i posti di terapia intensiva presso l'ente ospedaliero cantonale, così che si possa poi dare una risposta qualora ci fossero delle richieste e ci fosse anche la disponibilità di posti di accogliere dei pazienti nello spirito di solidarietà, la stessa solidarietà che il Canton Ticino ha ricevuto durante la primavera. C'è una precisazione? Sì, prego, prego. Comme Monsieur le Conseil fédéral a déjà dit, les lits certifiés, ils sont bien occupés. Il y a encore des lits certifiés, mais on a des réserves de lits non certifiés. Les stations intensives ne sont pas complètes. On peut traiter des gens, mais on transfère déjà des patients. Mais en tout cas, on n'est pas limite, il y a des places et on peut traiter des cas Covid en Suisse. Il y a cette différence entre les lits certifiés et non certifiés, mais pour la qualité du traitement, il n'y a aucune différence. C'est vraiment seulement une question de certification. J'ai encore une information à ce sujet sur ce qui était le chiffre hier. Nous avons 511 personnes dans les stations de soins intensifs avec le Covid, 315 en soins intensifs avec d'autres raisons que le Covid, et 314 lits qui étaient libres. Ça, c'est la situation hier. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment encore des disponibilités. Le problème, ça n'est pas aujourd'hui. Et si la situation est très sérieuse aujourd'hui, ça n'est pas tellement le nombre de places. Ça, nous en avons encore à disposition. Il faut faire attention, hein, mais il y en a encore. Le vrai problème, c'est le personnel. C'est que chacune de ces places est très intensive en personnel. Et ça, c'est naturellement le souci principal aujourd'hui. Merci. Un'ultima domanda, siamo in chiusura. Bonjour, Paolo Galli, Corriere del Ticino. On a lu des sondages et aussi on a vu des réactions populaires qui nous disent d'une diminution peut-être de la confiance par rapport de la population par rapport à la politique. Comment vous vivez ça? C'est quelque chose de naturel après une année comme celle-là? On peut reconnaître peut-être des choses qu'on peut faire, on peut faire mieux peut-être? Oui, c'est une question très intéressante. Vous savez, on a eu au printemps, au mois de mars, au mois d'avril, une reconnaissance énorme pour le travail de la politique, des louanges qui étaient disproportionnées. Il faut être honnête, on a fait notre travail du mieux qu'on a pu, mais enfin, c'était complètement disproportionné. Et puis, il y a presque un effet de balancier en automne. Tout à coup, il n'y a plus rien qui marche, et puis tout est mauvais. Et puis, c'est peut-être aussi un petit peu disproportionné. C'est pas comme ça qu'on gouverne, de toute manière. C'est pas avec ces éléments-là qu'on travaille. On essaye, avec les cantons, avec le Conseil fédéral, vraiment avec ce sentiment d'équipe, de faire le mieux possible avec les situations que l'on a. Ce qui est un peu différent cet automne, c'est très clair, c'est que maintenant la situation, elle dure depuis longtemps, ça fait, je sais pas, 9 ou 10 mois que ça dure, tout le monde a appris beaucoup de choses, en même temps on est tous un peu fatigués de cette situation, avec la situation particulière, on a des mesures différentes d'un canton à l'autre, donc où il y a la Confédération qui s'exprime, mais les cantons s'expriment, vous avez dans le système de santé beaucoup de gens qui s'expriment, ça peut donner des fois l'impression de plus très bien savoir où est
où est exactement la réalité. Et c'est assez naturel qu'avec cette fatigue, on aimerait tourner cette page, moi aussi, tout le monde ici, on aimerait pouvoir dire, voilà, c'est derrière nous. C'est assez logique qu'avec cette fatigue, on ait une situation qui soit moins enthousiaste ou moins positive de ce point de vue-là que c'était le cas au printemps. Ça ne change pas grand-chose pour le travail qu'il y a à faire en réalité. On en prend note, ça ne change pas grand-chose. Là où c'est plus inquiétant, c'est que si ça devait conduire à ce que les gens ne respectent plus les mesures. Parce que là, il pourrait y avoir le risque qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut plus rien contrôler. Et là, la discussion, elle est dans une situation aussi instable, ça reste toujours naturellement très délicat, ça peut être très difficile pour le système de santé. C'est vrai que c'est très important, on a un pays qui est plus ouvert que d'autres, ça a été rappelé encore par le président du Conseil d'État tout à l'heure, tous les pays autour de nous sont beaucoup plus fermés. Comment est-ce que c'est possible que nous puissions être plus ouverts parce que nous comptons vraiment sur, j'allais dire, la collaboration de toutes et tous pour faire attention à ces mesures, pour les mettre en œuvre. Si on les met en œuvre, distance, hygiène, le masque, on peut faire beaucoup plus de choses que si on fait attention à rien. Et c'est ça un peu le message, je pense, qu'il nous faut peut-être garder pour cet hiver. Merci beaucoup, monsieur le conseiller fédéral. La conferenza stampa si conclude qui. Vi ringraziamo per l'attenzione, ringraziamo i nostri relatori e chi ha partecipato. Buon pomeriggio.